Voilà, mes chers amis, des manifestations et des contestations partout dans le monde. Au Liban, l'Irak, Iran, Nord-Afrique, Chili et ailleurs. La vie est difficile. Pour tout le monde, la vie est difficile. On a cette difficulté de vivre bien, bien manger, bien dormir, bien travailler. C'est une crise internationale. 11 morts au Chili. En Chili, des manifestations étaient très violentes et environ 11 personnes ont été tuées. En Irak également, il y avait plusieurs dizaines de morts. Au Liban, vous savez, crise énorme. Le gouvernement a des problèmes. Saad Hariri en demande de démissionner. Vous savez, toutes ces crises, surtout, je ne parle pas de Chili, l'Irak, Liban, mais en Syrie, il n'y a pas de manifestation. Ça a commencé à partir de quand? Encore, vous, est-ce que vous voulez apprendre quelque chose que personne ne vous dit pas? David va vous dire. Depuis l'embargo énorme contre l'Iran et le pétrole iranien, plusieurs millions et milliards de dollars qu'ils dépensaient en Irak, au Liban et donnés aux Palestiniens, ça s'était coupé. Il n'y a plus l'argent comme avant. Alors, des contestations, ça commence dans tous ces pays-là. Oui, bien sûr. Et démocratie. Démocratie a montré son visage en Israël. Et Benjamin Netanyahou ne peut pas former son gouvernement. Benny Gantz entre. Alors lui-même, il a demandé au président de la République israélienne de nommer Benny Gantz pour former le gouvernement. Benny Gantz, il a dit qu'il ne veut pas travailler avec Benjamin Netanyahou. Mais je suis sûr et certain que Benjamin, il va accepter avec grand plaisir le ministère de l'Intérieur ou peut-être la Défense. Ça, on va voir. Et même peut-être encore une autre élection, pourquoi pas, encore peut-être une autre élection. Si Mr. Benny Gantz, il n'a pas totalement le pouvoir de rassembler plus de 70 députés israéliens. Ah oui, c'est la guerre partout, des problèmes. Nulle part n'est pas stable. Déstabilisation totale dans la plupart des pays. Heureusement, ici et maintenant, vous vivez bien quand même. Hein? Il y a des problèmes économiques, de travail, de logement en France, mais quand même. Vous vivez mieux qu'ailleurs. Et voilà, vous avez la parole. N'oubliez pas, en composant le 08 92 23 95 20. Et c'est David Abassi qui est avec vous, mes chers amis.